Et encore un jeu avec des zombies. Donc bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Contagion ou Contagion, j'en sais strictement rien. Donc jeu disponible sur Steam en accès anticipé, je sais plus combien je l'ai payé exactement puisque je l'ai eu à moins 10%, mais je crois qu'il est aux alentours de 13€. Jeu dans lequel on peut jouer en solo ou en multijoueur, et nous on va faire du multijoueur. Juste avant de commencer, je vais vous montrer, puisque j'ai fait quelques parties auparavant, 4 maps disponibles, certaines avec un objectif, à savoir se sauver. Traduction française de Escape, donc se sauver. Et nous, ce qu'on va faire en multijoueur, c'est Hunted. Ça va être la chasse aux joueurs et survivre parmi les zombies. Et donc, je voulais vous montrer ça avant de commencer directement la partie multijoueur. Et également, cette vidéo, c'est histoire de marquer... Attendez, je vais quand même chercher une partie. Là, je pense que je vais vous cacher, puisqu'on voit mon adresse IP. Et c'est histoire de marquer le coup par rapport à Halloween. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose en particulier. Je crois que ça fait plusieurs années. La dernière fois, c'était peut-être pour Red Dead Redemption, l'extension avec les zombies. Donc ça date d'il y a pas mal de temps. Et je me suis dit, pourquoi en même temps ne pas le faire découvrir, ce jeu qui est sorti, qui est pas encore sorti, puis c'est en accès anticipé sur Steam. Et nous, on va choisir, non, avec mon vieux ping comme vous pouvez le voir. Tiens, cette carte, je la connais pas, on va peut-être la faire après. Moi, je cherche CH pour... H, je crois que c'est pour le Hunted, pour la chasse. Et donc, avec des joueurs, si possible. Ah, mais c'est que des vieux ping tout moisi. Tiens, ça, c'est parfait. Let's go. J'ai remarqué en enregistrant que le loading était assez lent. Ah non, là, ça va, c'est plutôt rapide. Bah, tant mieux, puisque j'ai fait des essais d'enregistrement. Et donc là, ça m'a fait dire des bêtises, donc plusieurs choix de personnages, mais puis que la partie, je crois qu'elle était presque pleine, donc je vais prendre au hasard. Et en fonction des persos, il y a peut-être des aptitudes particulières. Donc là, le but, c'est de survivre face aux zombies. C'est à la manière d'un DayZ, sauf que cette fois-ci, les cartes sont beaucoup plus petites, donc il y a beaucoup plus de confrontations. Et moi, mon but, ça va être de survivre déjà d'une part face aux zombies, mais surtout d'aller à la confrontation avec les autres joueurs. Puisque là, on a un téléphone, et pour les missions à objectif, on a l'objectif d'indiquer sur l'écran. Et là, j'ai pas d'objectif, donc à moi la chasse à l'homme. Donc vous avez des maisons dans lesquelles vous pouvez rentrer, et d'autres non. Pour les différencier, c'est celle avec les vitres transparentes. Les vitres opaques, en fait, vous ne pouvez pas. Et les vitres transparentes, c'est celles dans lesquelles vous pouvez rentrer. Et celles, généralement, où il y a des joueurs qui se cachent dedans. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher. Parce que je m'en fous. Ouais. J'aimerais bien rentrer parce que là je pense qu'il y a... Je suis bugué. J'étais bugué. J'ai ramassé un sniper. Ça serait bien que je prenne les... Ah non, c'est pas des munitions. Et on peut allumer des lampes torches en fonction de l'arme. Mais je préfère éviter de le faire. Et là on entend des coups de feu. Donc il doit y avoir des ennemis pas très loin. Là je fais un tour rapide. Hein, puisque moi mon but n'est pas de ramasser de l'équipement. Mais de trouver... Est-ce que je peux sortir? Ah, je peux sortir par là. J'aimerais bien aller sur le toit. On va s'occuper de lui avant. Viens! Et en bas, à droite, en vert, c'est notre jauge d'endurance. Cette jauge d'endurance, une fois qu'elle est vide, vous ne pouvez plus courir. Et vous ne pouvez plus non plus donner de coups au corps à corps. Je vais essayer d'aller sur le toit. Est-ce que je peux y arriver? Ouais, j'ai fait que partie pour l'instant, comme je vous l'ai dit. Le jeu est en anglais, donc il y a forcément des choses que j'ai pas dû comprendre, donc n'hésitez pas, ceux qui ont le jeu mieux en main que moi, à me donner des conseils. J'aime bien la lunette de snipe, elle est... Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et faites pas attention encore, hein, j'ai fait que quelques parties, j'ai pas encore bien configuré ma sensibilité et les touches. Là, je tue des zombies. Moi, j'ai envie d'aller voir d'autres joueurs, donc je vais tenter de me faufiler discrètement, sans perdre de la vie si possible. Alors, et suivre aussi les zombies, c'est un bon indicatif pour savoir où... D'accord, là je pense qu'il doit y avoir des joueurs là-dedans, vu que tout était barricadé. Je vais prendre mon pistolet plutôt. Tout était barricadé, on peut barricader les fenêtres, les portes. Comment on fait pour fermer? Je crois que j'arrivais pas à fermer ces trucs-là. Les portes en bois. Ouais, il doit y avoir du monde là-dedans. Coucou. J'ai
j'arrive. Ah, mon téléphone dans le jeu qui vibre. Ma main, je vois pas assez bien. Ah, le zombie. C'est pas le moment de m'embêter. Faut faire attention puisqu'ils peuvent nous attraper et nous mordre. Et surtout qu'avec ma connexion de plot, je me fais très facilement attraper. D'où est-ce qu'ils peuvent tirer alors? Je pense que... Il y a un joueur là. Headshot! Yeah! C'est super sensible par contre le maniement avec le snipe là. Pour viser, heureusement qu'il bougeait pas parce que sinon j'aurais pas réussi. Et est-ce qu'on tente de rentrer dans la maison? Mais je pense que l'autre il doit attendre très sagement à l'intérieur que j'arrive. Par contre j'aimerais bien partir de mon toit. Allez viens. C'est une des premières fois que je me bats au couteau. Généralement j'ai une batte de baseball. Ou une hache. Ça c'est un joueur. C'est un zombie plutôt. Qu'est-ce qui se passe au moins? Ah, je l'ai touché! Ah, c'est beaucoup trop. Ah, c'est beaucoup trop sensible, c'est impossible! Ah, punaise, je l'ai vu. On va le suivre. J'ai rien à perdre. Je suis mon sniper, mais je m'en fous. Je lui ai mis une balle. Moi, je suis là pour la chasse aux joueurs. Rien d'autre. Je suis un psychopathe. Coucou! Est-ce que tu es sous ta douche? Le gros psychopathe. Coucou, je suis dans la maison. Je suis suivi. Je suis suivi. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis suivi par beaucoup de zombies. Le joueur, il doit être en haut là. Je vais tenter le coup par surprise. Il n'est pas allé dans la maison? Oh punaise! Oh punaise, je suis suivi. Saute, saute, saute! Oh, Landou, il a pas sauté! Laissez-moi tranquille! Pourquoi tu sautes pas? Eh, je tremble! C'est idiot, je suis en train de trembler comme un fou! Est-ce qu'une poubelle, ça peut m'amortir ma chute? Où est-ce qu'il est parti, l'autre joueur? J'ai pas l'air de pouvoir sortir par là. Finalement, ça marche pas. Je vais couper ma lampe torche. Je suis désolé si je tremble, mais je stresse. Ah, c'est un zombie. Je me disais, il agissait bizarrement. Ah, il y a des coups de feu par là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On tente d'aller chercher l'autre joueur. Ça se trouve, il s'est bien caché. Où est-ce qu'il a pu partir? Parce que je crois pas qu'il y ait d'autres maisons ici dans lesquelles on peut se cacher. Ouais, je regarde les zombies dans quelle direction ils vont. Ça se trouve il est mort aussi hein, parce que avec une balle de snipe, je sais pas s'il peut survivre très longtemps. Tiens, on va suivre ce zombie. Où est-ce que tu vas? Ils vont tous par là-bas. Ouais, il se dirige encore vers la maison où il y a le joueur que j'imagine être. Ouais, ça c'est un joueur. C'est un joueur, je suis suivi par un zombie. Oh punaise! Il fait des trucs bizarres le zombie. D'accord, ok, je me suis fait tuer. Pouh! Bah, il a mieux joué que moi. C'est comme ça. Et maintenant j'incarne un zombie. C'est la première fois que je le fais. Parce que les autres fois... où j'étais mort, et bah ça buguait, je pouvais pas me déplacer. Et bon bah tant pis, j'ai mal joué, c'est comme ça. On va jouer un peu zombie et après on va se faire une autre partie ensemble. Moi je vais aller me venger. Je sais que t'es parti par là, il y a mon snipe au sol. Mais comment ça se passe les attaques alors? Comme ça. Et les zombies, faut savoir qu'ils peuvent nous attraper. Et donc du coup, ah c'est fini. Bon bah j'ai fait un kill. Et l'autre, il en a fait 9, donc il est quand même beaucoup plus balèze. Donc je vais changer de serveur, à tout de suite. Ok, on est de retour. Cette fois-ci, je vérifie quand même qu'on est sur le même mode de jeu. Ouais, c'est parfait.
Donc cette fois-ci, comme vous le remarquez, nous sommes sur une carte de jour. Et je ne la connais pas. Et c'est toujours le même mode de jeu. À savoir survivre. Et aller à la chasse à l'homme. Pour l'instant, ça ne me réussit pas trop. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas trop de zombies. Juste quand je dis ça, il y en a en face de moi. J'entends des coups de feu par là-bas. Non, je peux pas ouvrir. Allez, viens, goûte à ma lame. Ouais, c'est bon. Comment je fais pour rejoindre? Est-ce qu'il y a un chemin par là? Il y a des toilettes. C'est cool, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'aller... Ah, il y a peut-être un chemin par là. Est-ce qu'on peut se soigner? Parce qu'il faut savoir, je crois que lorsqu'on se fait mordre, eh ben nous sommes infectés à notre tour. Et notre vie est tout de suite limitée. En fait, contagion, on est contaminé. Et je crois qu'on a un temps avant de se transformer en zombie une fois qu'on se fait mordre. Mais là, je peux vraiment dire des bêtises. Où est-ce que ça vient? Elle est immense ou quoi cette carte? Ok. Ah. J'ai entendu le téléphone vibrer, mais... What? Je crois qu'il est dans la tente. Ah, je vois un dessus de tête. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il avait une meilleure arme que moi, une mitraillette. Ah, il avait barricadé et tout. Oh, punaise! Tu rigoles pas? Non, je veux pas le pistolet. Donne-moi toutes les munitions. À moi. Oh, c'est... Excellent. D'accord, il y a des zombies qui arrivent. Je sais pas si je vais rester là. Mais en fait, quand on zoome, le FOV, il est bien. Mais je l'ai pas vu. Je me suis fait mordre. Non. Lâche. Ok, c'est bizarre, il n'y a pas de son. Oh non, je me suis fait mordre. Ça se trouve, je suis contaminé. Ah, j'aurais préféré éviter ça, surtout pour une fois que j'ai une arme. Bon bah on va se dépêcher. On va aller se dépêcher de traquer d'autres joueurs. Ah mince, je m'attendais pas à ce que le zombie il arrive comme ça. Et je sais plus, je crois que je voulais dire autre chose. Il me reste combien? Il me reste un petit peu de vie. J'ai des balles, j'ai que 9 balles. Ah, ça devait être les cartouches qui étaient à côté que j'ai pas ramassé. C'est pas grave de toute manière. Je risque d'y laisser ma peau. Où êtes-vous? J'aurais aimé me cacher comme ça dans les buissons et faire peur aux joueurs. Où est-ce que vont les zombies alors? Les zombies n'ont pas l'air de traquer des gens à part moi. Ah si, peut-être par là, regardez dans cette direction. Il y a un zombie qui court. Après quoi tu cours? Ou plutôt après qui? Tu es bugué. Ouais, j'ai tous les zombies à mon postérieur. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs. Mais il faut pas oublier non plus que certains zombies sont des joueurs qui les contrôlent. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes quand même pas en train de vous cacher. Ah, il y a un coup de feu derrière moi. Ça tire par là-bas. Le truc, c'est que je suis super visible à courir. Alors, où es-tu? Ah, ça se rapproche. On se rapproche. On n'est plus très loin. Il y a une grenade qui a pété. Où es-tu? Ça vient d'ici.
du même endroit que tout à l'heure. Quoi? Oh mais non, j'étais sur sa tête. Hop, bah, bien joué à lui. J'étais persuadé d'avoir d'être sur sa tête. Bon bah on va se faire 11 zombies. Pourtant j'ai essayé de viser. Ils étaient deux. Ah, tant pis, c'est pas grave. Je vais les traquer en tant que zombie. Comment ça se passe? Comment je fais pour attraper? Je sais pas si ça se fait automatiquement. Alors. Ils ont dû passer par là. Il va y avoir mon cadavre quelque part par ici. Ah, ils sont là, regardez. Nya, 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 nya. Je vais te manger. Nya. Il doit se douter que c'est un joueur parce que je pense pas qu'un zombie se mette accroupi. Nya, nya. Et se déplace comme ça. Nya, 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 nya. J'arrive. Non, je suis bloqué par là. Le truc qui doit faire stresser quand même d'être suivi. Le truc c'est qu'ils sont deux, si encore il était tout seul ça aurait pu être beaucoup plus drôle. Là je vois qu'il y en a un qui se sépare de son ami, il y en a un qui s'est fait attraper. Il y en a un qui s'est fait attraper et lui il a dû me voir. Ouais. Il y a un zombie qui est là. Donc je vais en profiter. Pendant qu'il y a... Ah il l'a attrapé, il l'a attrapé. Il va sûrement se détacher et je serai là pour te manger dans ton dos. Non, je voulais le manger dans ton dos. Ah mais je suis même pas indiqué je crois. Ah si, kill une personne. Bon bah je sais pas, je vais peut-être refaire une autre partie parce que c'était assez court. Donc moi je vous dis à tout de suite. Le temps que je trouve une autre partie. En fait je crois que ça sert à rien que je cherche une autre partie. Autant rester ici. Autant rester ici et je vais la jouer plus délicatement. Ok. Comme d'habitude, ça tire au même endroit. C'est pas un jeu super cher, c'est pas des graphismes de fou, mais je m'amuse vraiment comme un petit fou pour l'instant. Faudrait que je fasse également attention puisqu'il y a l'air d'avoir deux joueurs ensemble. Donc c'est tout de suite beaucoup moins évident. Il doit y en avoir un par là. Comment je peux rentrer? Je peux rentrer par ici. Ouais, vu qu'il y va. J'arrive. C'est de la traque. Non, je peux pas passer. Où est-ce que tu es? Je vais peut-être me débarrasser d'eux quand même. Allez, remonte ma jauge. Tiens. Ah ah. Je t'ai vu. Je l'ai vu. Coucou. C'est parfait. Bon. Oh, une AK. Je ramasse tout ce que t'as. Donne-moi. Il a une AK. J'aurais dû le tuer pendant qu'il était accroupi. Il bougeait pas. J'aurais pu facilement viser sa tête. Et j'ai mal visé. Alors, comment je fais pour rejoindre l'autre qui est là-bas? D'accord. On entend des coups de feu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais par là? Je prends le risque d'aller voir le joueur qui a pas l'air de beaucoup bouger. Ou alors je vais vers les coups de feu qu'on entend là-bas. Ouais, je vais aller vers là-bas. Là, je préfère te tuer, sinon tu vas me faire peur par la suite. Alors.
Il reste plus beaucoup de monde. J'ai encore toute ma vie. Je crois que je devrais faire demi-tour. Ah ah. À mon avis, il doit y en avoir un dans le coin pour qu'il y ait autant de zombies. Oh punaise! Oh punaise! Je me suis mis dans un sacré pétrin. Et il reste deux survivants, donc moi et un autre. Je vais aller le chercher. Je vais attendre des coups de feu. Je vais économiser mes munitions. Parce que là, c'est entre lui et moi. Et je pense qu'il devait être parti juste à côté de moi. Vu tous les zombies qui couraient. Je vais retourner par là-bas. Non, 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 me suivez pas comme ça. Oh! Oh, comment? Comment il a fait pour... Non! Non! Je suis con encore. Foutez-moi la paix. Je suis sur ta tête, espèce de tronche de cake. Ah, mais ça se trouve, c'est un joueur. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des joueurs qui contrôlent également les infectés. Ah, punaise. Punaise, punaise. Allez, c'est pas le moment de mourir. Où est-ce que tu te caches? Ah, ma vision, elle commence à se troubler. Où est-ce qu'il est? C'est qu'une question de minutes. Par là. Garder ma jauge pour courir d'un coup. Faut vraiment que je regarde les zombies dans quelle direction ils courent. Allez, oh non, allez mon petit bonhomme, survis encore un peu. Ça se trouve, je suis le dernier à survivre là. Ah ah, regardez. Ça va vers là-bas, il doit être là-bas. Faut que je me dépêche avant de mourir. Je sais pas pour combien de temps j'en ai encore. Ah d'accord. Ça doit être un joueur derrière moi. Vu comment le zombie il a esquivé. Je suis en train de courir aussi derrière les zombies. Oh punaise, tout ce qu'il y a. C'est bon, je vais le tuer. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh non, j'avais plus de balles. Laisse-moi tranquille. Vite, vite, vite. Non. Non. Je suis sûr, ça c'est un joueur. Non. Ah, ça y est, je me suis transformé. Ah, punaise. Ah bah, je suis arrivé premier. Ah d'accord, bon bah, ok. En fait, il doit y avoir un truc avec du genre, je dois tuer après peut-être les infectés pour réussir. Je sais pas du tout comment ça se passe. Là, ça repart depuis le début. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. C'était histoire... C'était histoire de faire quelque chose. J'avais déjà envie d'une part d'acheter le jeu depuis que j'avais vu qu'il avait été annoncé. Et pour Halloween, je voulais faire un truc. Ça fait pas tellement peur, mais ça m'a fait quand même stresser. J'ai l'impression que mon bonhomme, il est encore un peu mal en point. Là, il y en a un, il est déjà mort. Donc moi, je vous dis rendez-vous maintenant dans quelques jours pour d'autres vidéos. Donc à plus tard tout le monde.